Salut les Kiki, ici Greg alias GTech FPV de la team Taras. Aujourd'hui on va faire un petit tuto sur Liftoff. Étant donné qu'on est confiné en ce moment, pas mal de monde me demande des conseils sur comment on fait pour que ça fonctionne sur Liftoff. Même si ça paraît simple, a priori pas mal de monde ont des soucis pour connecter la radio, pour créer un modèle qui fonctionne et autres. Donc du coup on va faire un très rapide court tuto pour expliquer un petit peu tout ça. Vous avez bien vu qu'en ce moment je poste très peu de vidéos. C'est pas que je vous aime plus. Non, c'est juste que en fait beaucoup d'événements se sont passés dans ma vie ces derniers temps et ont fait que du coup ça a été un petit peu compliqué de vous poster beaucoup de vidéos comme je faisais avant. La première chose c'est que j'ai eu une petite fille qui est née et ça prend énormément de temps. Heureusement parce que elle est mignonne et que je l'adore. Mais en effet j'ai beaucoup moins de temps pour tous mes projets à côté, à droite et à gauche. Autre événement, le confinement. On pourrait penser que ça apporte du temps. J'ai ma chérie du coup qui en profite pour réviser son concours et du coup de ce fait je garde un petit peu plus la petite. Du coup j'ai un petit peu moins de temps. Et puis en confinement j'ai plein de projets que j'avais mis de côté et que j'ai relancé. L'impression 3D, la rénovation un petit peu de mon atelier. Là d'ailleurs c'est en bordel comme vous pouvez le voir. Donc voilà, en projet en ce moment il y a tous les masques. Je fabrique des masques pour les hôpitaux, être soignant et tout ça là avec l'impression 3D. Là il y a un groupe sur Facebook qui a décidé de s'activer un petit peu là dessus je fais pas mal de réglages d'impression 3D pour essayer de peaufiner et puis remettre en route ma petite Prusa. J'essaye de me faire un atelier un peu plus propre qu'avant. Voilà, donc là c'est un peu tout en bordel comme vous pouvez le voir hein, c'est vraiment voilà, il y en a de partout. Mais voilà, une fois que j'aurai tout fini, je vous referai un petit point sur mon atelier, qui est un petit atelier, mais qui me permet de faire énormément de choses. Voilà, donc nous allons passer donc sur ce fameux tuto. On va faire ça en deux parties. Une première partie où on va voir tout simplement tout ce qui est radio, comment faire un modèle simple qui fonctionne sur Liftoff, notamment, on va voir ça sur Liftoff. Et la deuxième partie qui permettra du coup de regarder sur Liftoff comment on fait pour paramétrer sa radio pour que ça fonctionne correctement dans le simulateur. Rien de très compliqué, mais au moins ça refait un petit rappel pour tout le monde et surtout ça va débloquer a priori plusieurs personnes qui m'ont posé les questions. Allez, on se retrouve sur la radio. Donc voilà, la première étape tout simplement va être de créer un modèle pour notre simulateur. On allume la radio. Donc on appuie ici sur le bouton menu afin d'avoir la liste de tous vos modèles et donc on va prendre une des lignes qui est vide. On appuie dessus, on fait créer modèle. Ceux qui sont sur les dernières versions de OpenDX, vous avez un espèce d'aide à la création de modèles, donc plan, delta ou multi. Nous on choisit multi et là il va vous aider tout simplement à faire les premiers canaux. Donc par exemple il vous propose de mettre le throttle en CH3. Donc soit ici on appuie sur Hunter et on change le CH, on met le throttle au CH qu'on veut. Pour nous réellement ça n'a pas d'importance puisque lors de la calibration sur Liftoff on va remettre tout ça dans l'ordre, donc il n'y a pas d'importance. Donc pour passer à la suite c'est le bouton page. Hop, donc là il nous parle du roll en CH4, ok, pourquoi pas, pitch, CH2, yo, CH1, tout ça comme je vous disais, ça n'a pas vraiment d'importance. Ensuite, arme, il propose donc l'interrupteur A, donc je vous rappelle A, B, C, D, moi je suis sur le C, l'armement, souvent, donc du coup je vais appuyer dessus et je vais aller sur S, C, donc S pour switch, C, ok. Ensuite il me propose les modes de vol, moi je suis sur D, donc sur j'appuie sur entrée et je vais sur SD. Tac. Ensuite toujours page, il me propose le beeper. Sur Liftoff il n'y en aura pas, mais bon on va mettre une autre fonction, on changera le nom beeper par autre chose, donc A, B, on va mettre sur le B pour réinitialiser les courses par exemple. Donc voilà, et on appuie sur page et là il dit est-ce que vous êtes ok pour qu'on mette donc tout ce que vous venez de demander dans le bon ordre.
Hunter long pour confirmer, Hunter long. Cette partie là n'est pas grave, si vous ne l'avez pas, c'est possible, selon la version d'OpenTX, ce n'est pas grave. À ce moment là, vous arrivez ici avec une nouvelle ligne, modèle numéro 9 par exemple, si vous étiez en numéro 9, peu importe. On va venir juste faire attention à ce qu'il y ait bien la petite croix ici qui explique qu'on est bien sur le modèle qu'on est en train de configurer. Ensuite, on appuie sur la touche page. On va venir y changer le nom du modèle, Simu par exemple. Donc S, si je veux faire une majuscule, je fais un appui long, ça met en majuscule et ça passe à la lettre suivante. Ensuite, on n'a pas besoin de chrono, tous ces trucs là, tout ça, ça sert à rien. On descend, on descend, on descend. La seule chose qui est importante, c'est de vérifier, c'est ça. HF interne, mode off. HF externe, mode off. Ça va éteindre l'émetteur interne de la radio, donc l'émetteur FR Sky, et ça va éteindre l'émetteur externe si vous en avez un. Moi actuellement j'ai un Crossfire derrière, ça va l'éteindre, comme ça ça ne consomme pas d'énergie, la batterie de votre radio va durer plus longtemps pour le simulateur. Donc voilà, ensuite on appuie sur page, phase de vol comme d'habitude, on n'en a pas besoin. Les entrées, il nous a bien mis les 4 sticks, c'est parce que lui il vient de les faire. Si jamais vous les avez pas, c'est très simple à faire, il suffit de regarder les tutos précédents dans mes tutos création de modèles, normalement il n'y a pas besoin. Là pour aller rapidement, on va pas mettre les autres inters et tout ça dans la liste des entrées, on va passer directement dans le mixeur, c'est-à-dire ce que la radio fait sortir par l'USB ou par d'habitude les émetteurs, là ce sera par l'USB. Donc on a toujours, si vous les avez pas, bah, vous pouvez les rajouter, c'est-à-dire que si par exemple je le supprime, hop, supprimer. Vous, si par exemple il est vide parce que vous n'avez pas eu l'assistance et qu'il les a pas directement reliés, oui, donc le CH1 par exemple il est vide là, on appuie dessus et tout de suite il vous propose la première fonction disponible. Donc vous allez chercher votre fonction, si vous avez envie de vous la renommer, peu importe. Là j'ai deux fois L, donc c'est pas ça. Hop. Donc là on était plus sur dire. Voilà, c'était la direction. Donc direction profondeur gaz L, et donc là grâce à la configuration automatique qui nous a aidé un petit peu au départ, on a SC, SB, SD, si vous les avez pas, par exemple on va supprimer le SC, tac, donc vous avez une ligne libre en CH5 par exemple, vous venez en CH5, c'était l'armement, donc on va l'appeler arme. Là, je vous le fais comme si l'assistance du départ, vous ne l'aviez pas eu et du coup, vous devez le faire vous manuellement. Donc, arme, hop là, par exemple, tac. L'arme, je choisis le SC, ici, tac, SC. Et voilà, c'est fini. SC, arme, en CH5. Et après, on fait la même chose. SB, bah moi, j'avais beeper. Donc d'ailleurs, hop, on va venir ici dessus, appui long, éditer. Et on va éditer le mot beeper en reset. Voilà, reset. Voilà, ensuite, tout le reste, vous n'en avez pas besoin. On n'est pas sur des modèles sur lesquels on va mettre des voix, des trucs. Ça ne sert à rien pour un simulateur. Le but, c'est d'aller à l'essentiel, les 4 sticks, les 3 inters dont on a besoin, et c'est terminé. Voilà, vous avez créé votre profil, votre modèle Simu, où on n'a besoin de rien d'autre dedans. Il faut que ce soit ultra simple. Donc, en gros, l'idée, vraiment, ce qu'il faut vraiment que vous reteniez, c'est que dans votre modèle, dans le mixeur, il faut qu'il y ait les 4 sticks. Peu importe l'ordre dans lequel ils sont, c'est pas très grave, ça va être remis correctement dans liftoff. Donc les 4 sticks, donc CH1, CH2, CH3, CH4, donc c'est, il faut qu'il y ait les gaz, le pitch, le roll et le yaw. Ces 4 sticks là, il faut qu'ils soient tous les 4 dans la liste. Et à mon avis, pour jouer correctement liftoff, le mode de vol à la limite, pour ceux qui veulent rigoler, pour jouer avec le peut-être la simu en vol 3D, pour voler à l'envers peut-être, pourquoi pas. Donc un inter pour le changement de mode, un inter pour l'armement et un inter pour réinitialiser le vol. Après on peut en rajouter, on peut en mettre un par exemple pour couper l'effet imitation glitch, qui parfois est embêtant. Voilà, peu importe, ça c'est comme dans mon
tuto de création de modèle. Il suffit simplement de rajouter des inters dans la liste mixeur là, à des fonctions, mais c'est tout ce qu'il y a à faire réellement. Une fois que dans ce mixeur là, vous avez toutes ces fonctions là qui sortent, c'est-à-dire que vous avez les 4 canaux pour les 4 sticks, plus d'autres canaux pour les inters, ceci va être envoyé par le port USB et donc reçu à Liftoff. Maintenant, par contre, ça va pas marcher comme ça tout de suite. Dans Liftoff, il va falloir faire une calibration des sticks. Ça, on va suivre ensemble la procédure. Et il y a une deuxième étape qui est tout simplement pour naviguer et faire des fonctions dans Liftoff avec la radio. Il y a un deuxième menu qui correspond au bouton. Il va falloir affecter des fonctions du logiciel Liftoff à des interrupteurs. Donc, c'est-à-dire que les interrupteurs, ils envoient des impulsions, des informations à Liftoff. Et il faut maintenant dire à Liftoff, quand je reçois ça, qu'est-ce que je fais dans le jeu. Donc il y aura simplement à dire par exemple que quand j'actionne cet interrupteur là, il faut que je change les modes de vol. J'actionne cet interrupteur là, il faut que j'arme le drone. Quand j'actionne celui-ci, il faut que je réinitialise le parcours. Tout comme je peux dire, quand je fais ça, je vais naviguer dans les menus en haut. Quand je fais ça, je vais naviguer dans les menus en bas. Quand je fais ça, je vais naviguer dans les menus à droite. Ça, naviguer dans les menus à gauche. Ici, je vais valider le menu et ici, je vais sortir du menu. Ça me permet de ne plus avoir besoin de se balader avec le clavier dans le jeu. On se balade dans les menus du jeu avec ses sticks. Des fois, c'est plus simple. Donc, une fois qu'on a fini la partie sur la radio, il va nous falloir donc ce fameux câble USB. C'est un USB classique d'un côté, mini USB de l'autre, pas micro, attention. Là, je suis sur une QX7. Sur les dernières radios, il me semble qu'il y a même carrément l'USB-C sur certaines radios, comme la Tango, par exemple. Le souci de la Tango, il me semble actuellement, c'est qu'on ne peut faire qu'un seul modèle. C'est-à-dire qu'on pourra pas faire un modèle pour le Simu et un modèle pour ses drones. Donc, normalement, le modèle pour les drones va fonctionner, mais du coup, l'émetteur sera en route, et du coup, ça permettra pas de gagner un petit peu en batterie. Tant pis, attendons que la Tango 2 soit vraiment sur OpenTX, afin d'avoir toutes les fonctionnalités d'OpenTX classique. Donc, on prend ce câble, et on le connecte à la radio. Sur la QX7, ça se trouve ici, en bas. Tac. Et ensuite à mon ordi. Au moment du branchement, il me demande deux options, soit que la radio réagisse en USB joystick, soit en stockage de masse. Le stockage de masse, la radio va simplement servir de lecteur de carte mémoire pour la carte mémoire qui est à l'intérieur de la radio, et en joystick, il va servir en joystick. Il faut choisir. Donc là, aujourd'hui, comme on veut faire du simulateur, on est en joystick. Hop là. Nous voici donc sur l'ordinateur. Bien évidemment, je vous passe toute la partie où nous allons... télécharger Steam, donc Steam c'est la plateforme sur laquelle on peut acheter Liftoff, et télécharger le jeu, l'installer et tout ça. Ça, je pense que vous avez des milliards de tutos qui vous l'ont fait et c'est rien de très compliqué, donc on oublie cette partie là. Nous allons passer directement au jeu. Donc j'ai branché ma radio, je démarre le jeu, donc il se connecte à Steam et c'est parti, jouer, ça lance le jeu. Au démarrage du jeu, là on arrive tout de suite avec Taranis Detected. Vous, au démarrage du jeu, vous allez avoir, parce que moi c'est pas la première fois que je le démarre, au départ vous allez avoir une assistance, c'est-à-dire un petit bonhomme en plein écran qui va vous demander tout simplement quelle langue vous voulez avoir, et ensuite il va vous demander de régler la radio commande et plein de choses. Vous suivez ce qu'il vous demande, normalement vous devriez vous en sortir. Si jamais il y a quelconque opération qui foire dans cette première installation, il n'y a aucun souci, on va revenir en détail ici dans les menus pour pouvoir tout refaire à la main si besoin. Première chose, hop là, donc on arrive là-dedans, tac, 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 tac. La première chose qu'on va faire, c'est options, contrôle, manette. Ça, il vous le fait faire donc à l'installation. Si vous l'avez fait correctement à l'installation, normalement vous n'aurez pas besoin de le refaire. Donc ici, il détecte bien ici la Taranis. Donc elle est branchée en USB, il n'y a pas de souci. S'il ne détecte pas la Taranis, je vous laisse voir un tuto que j'ai mis qui n'est pas de moi, qui est de Nicolas, que j'ai mis dans la playlist des Taranis. On va régler l'affichage, parce que là, du coup, il n'est pas adapté à mon écran. D'habitude, je joue pas sur cet écran. Donc option, graphisme. Voilà. Là, c'est plutôt pas mal. Voilà, ici V5, je ne sais pas trop ce que c'est, il me semble pas que ce soit utile. La seule chose que moi je fais, c'est que je mets en fast test.
Donc c'est juste pour dire au jeu de privilégier la rapidité d'image plutôt que la beauté. Moi personnellement, si je viens jouer dans Liftoff, c'est pour m'entraîner et jouer un petit peu avec les copains. C'est pas pour jouer à un jeu vidéo sublime en termes de graphisme. Donc du coup, je préfère avoir les images rapides pour pouvoir m'entraîner correctement plutôt que d'avoir des beaux graphismes et un espèce de flou qui va me gêner pour piloter. Ensuite, tout ça, moi j'ai tendance à tout décocher. C'est pareil, c'est des effets qui rajoutent sur la partie vidéo qui sont censés nous rapprocher de la réalité. Moi, je préfère tout désactiver, ça permet à mon PC d'aller plus vite. Voilà. PC ou Mac, hein, d'ailleurs, hein, c'est un peu la même chose. Hein. Steam a fait Liftoff, enfin Liftoff est fait de façon à ce que ce soit quasiment similaire sur PC ou sur Mac. Voilà pour les graphismes. Ensuite, donc, dans contrôle manette, il détecte donc la Taranis, et même si je l'ai déjà fait, on va la calibrer ensemble. Donc, comment c'est la calibration ? Il demande de faire les extrêmes des sticks. Donc on fait les extrêmes des sticks. Ensuite il demande de remettre tout le monde au milieu. Ensuite pousser les gaz en haut. Tout le monde au milieu. À peu près. Pousser le pitch en haut. On voit d'ailleurs la machine hein, qui bouge en même temps. Au centre. Ensuite, le roll à droite. Recentrer. Et le yo à droite. Et recentrer. Voilà, c'est fini. Avant de terminer, vous testez par rapport à la machine ce qui se passe. C'est-à-dire que si je penche en avant, ça se penche bien en avant. Si je penche en arrière, ça se penche bien en arrière. Et ainsi de suite. Que le drone réagisse bien comme les manettes, elles sont. Si jamais, par exemple, quand je fais ça, eh ben, ça fait inverser, on peut venir ici dans affiner. Et ici, on peut simplement inverser les commandes. Par exemple, si c'est le roll qui pose problème, qui était inversé. Hop là, je clique sur inverser. Et à ce moment-là, moi chez moi, du coup, il fait l'inverse là, puisque en réalité, j'avais pas besoin de l'inverser. Hop, je reclique sur inverser. Et là, ça se passe bien. Les gars, c'est bon. Et oui, voilà, il suffit juste donc de cliquer sur inverser si jamais vous avez, par rapport à ce que fait le drone et ce que vous avez demandé, une inversion, un petit bouton inversé dans le menu affiner. Ensuite, on sauvegarde. Et on est bon. Autre fonctionnalité dans affiner, ici, nous avons la possibilité, vous voyez ici, j'ai mon rôle, il n'est pas tout à fait à zéro. Vous avez vu, il va un petit peu de ce côté-là, là, un petit peu, pardon, de ce côté-là. Donc du coup, ici, on a la possibilité d'annuler. Par exemple 0,01, je vais le faire jusqu'à que hop ici je sois à 0. Ça permet de re-régler le centre si vous voulez, c'est-à-dire qu'il y a une petite zone morte au milieu qui ne prendra pas en compte. Donc on regarde, il faut pas que ce voilà. Donc j'ai l'habitude de mettre 0,01 de zone morte ou 002 carrément si on veut aller un petit peu dans le détail. Tac, comme ça tous les petits froufrous qui se passeront mieux, il les prendra pas en compte. Sauvegarder. Ok, si jamais quand vous avez fait le calibrage, au moment de bouger les sticks, il est sorti de la calibration, ça veut dire que vous aviez déjà fait un réglage radio avec ce qu'on va faire après, c'est-à-dire la possibilité de se balader dans les menus avec les sticks. Du coup, lors du calibrage, quand vous bougez les sticks, vous avez fait l'opération du stick qui permettait de sortir du menu. Et donc, avant de venir calibrer votre radio, il faudra donc venir désactiver ici dans contrôle, touche. Ici sur la partie radio, il faudra faire réinitialiser pour qu'il enlève tous les raccourcis radio que vous aviez mis et donc que vous puissiez faire votre calibration correctement sans que ça sorte du menu.
Et donc, une fois qu'on a calibré notre radio, on revient ici donc dans contrôle touche pour pouvoir ajouter les fonctions qui nous intéressent. Ici, on a tous les raccourcis clavier sur cette partie-là. Nous allons faire donc les raccourcis manette, c'est-à-dire ce qui concerne la radio. On va regarder par rapport, par exemple, à la navigation du menu. Ça évite d'avoir à toucher son clavier lorsqu'on veut choisir sa course, choisir son drone et autres. Ça veut dire qu'on fera tout avec la radio. Pour cela, droit, on va cliquer ici sur droite. Et ici, sur la radio, on va aller à droite. Ici, on voit bien qu'il a pris... Alors, même si le nom est faux, hein, puisque forcément, en fonction de ce que vous avez rentré, les channels et tout ça, le nom sera faux, c'est pas très grave, puisque vous avez calibré votre radio avec Liftoff. Donc, du coup, tant que le petit drone il faisait ce que vous faisiez sur votre manette, tout va bien. Donc, on confirme. Ensuite, gauche. Hop, à gauche. Confirmer. Haut, hop, en haut, confirmer, bas, hop, en bas, confirmer, ensuite le confirmer, moi je mets celui-ci, j'utilise à peu près les mêmes commandes que sur l'OSD Betaflight pour se balader dans l'OSD, annuler, ici, confirmer, et donc pour quitter, je garderai donc la raccourci clavier Escape du clavier, ça m'ira très bien. Ensuite, en vol, le seul truc qui va m'intéresser, c'est armer. Donc moi, j'ai mon interrupteur d'armement, il est ici. Tac, donc j'enclenche, confirmer. Donc là, il a vu quelque chose, le CH5, parce qu'on l'a paramétré dans notre modèle. Réinitialiser, pour réinitialiser la course, du coup, moi j'avais choisi celui-ci, qui est d'habitude l'interrupteur que j'utilise pour Turtle Mode. Et ensuite, parfois, pour rigoler avec le test du vol 3D, mettons celui-là, c'est pas grave. Confirmé. Le reste, j'en ai pas vraiment besoin. Je préfère garder les raccourcis clavier. Ensuite, je sauvegarde. Et on revient. Et donc maintenant, si par exemple je vais dans mode solo vol libre, vous allez voir qu'avec vos sticks, vous pouvez vous balader. Donc là, hop, je valide le mode vol libre. Ensuite, là, je peux me balader. Je choisis donc, hop. Par exemple, le hangar, je valide. Sur le hangar, eh ben, on va choisir pas de circuit, par exemple. Ou allez, si un circuit 1. Tac, je valide. Ici, ben là, je choisis un drone que j'ai fabriqué moi, mais soit vous prenez, il y a toute une flopée de drones déjà existants. Après, faire votre drone dans Liftoff, ça, je pense qu'il y a pas mal de tutos qui vous permettront de le faire. Il n'y a pas de souci. Donc, je valide cette machine. Alors, allez, personnaliser. Confirmer. Voilà, avec les flèches au bas du clavier, vous pouvez régler les angles d'inclinaison de la machine. Moi, je mets entre 40 et 45. Ça, c'est mon avis personnel. Après, ça, c'est chacun son truc. Donc, j'arme. Pour pouvoir faire décoller le drone, il faut avoir les gaz à zéro et avoir le bouton armé enclenché. Hop. Après, on peut le désenclencher, c'est pas grave, faut juste qu'il ait été enclenché une fois. Et on est parti.
Allez, alors filmer et jouer en même temps, c'est un petit peu compliqué. Donc hop là, rappelez-vous, on avait fait un inter ici pour revenir au départ. J'arme et on est reparti. Oui, c'est un drone qui vibre beaucoup celui-ci. Pas du tout réglé. Alors bien évidemment, vous pouvez régler vos PID, vous pouvez régler plein de choses dans Liftoff, ça bien évidemment. Ça sera à voir sur plein d'autres tutos. Je ne suis pas un spécialiste de Liftoff, je ne joue pas très souvent. Le but était juste de vous dépanner sur la mise en route. J'ai vu qu'il y en avait une par là. Wouhou. Allez hop. Et voilà, ce tuto Liftoff est terminé. J'espère vous revoir très bientôt pour d'autres vidéos, avec un petit peu plus de temps peut-être. Je vous tiens au courant sur tous ces différents projets. Avec ce confinement, il y a plein de choses qui sont ralenties. Je suis malgré toujours là. Si vous avez besoin, vous savez que j'essaye de répondre au maximum à toutes vos questions et tout ce que vous souhaitez dans la limite de mes connaissances. Je suis du genre à dire plutôt que je sais pas, plutôt que de vous dire n'importe quoi. Donc du coup, il est possible que je vous dise tout simplement je suis désolé, là il va falloir voir avec quelqu'un d'autre parce que je n'ai pas les compétences. Mais voilà, en fonction de ce que vous avez à voir, et ben je peux essayer de vous aider comme je peux. À très bientôt, et puis j'espère que tout le monde se porte bien. Plein de bisous, ciao.